Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends avec moi pour ce petit long week-end de 5 jours parce que je pars sur Paris. Je vais rejoindre ma pote Laurie. À la base, c'est pour une soirée. Et puis, je me suis dit pourquoi pas rester quelques jours de plus. Comme ça, j'ai le temps de voir d'autres amis. Sauf que je vous prends, mais je suis ultra pressée comme d'habitude parce que 1. Ma voiture ne démarre pas. Cette histoire de panne de voiture nique un peu mes plans parce que j'avais prévu de faire un tatouage. Si j'ai un problème de voiture, je ne peux pas utiliser cet argent. J'avais prévu d'aller faire mes ongles avant d'aller à la soirée. Problème de voiture, les ongles, ça va passer à côté. J'avais prévu de vivre ma one life sur Paris. Ah ben, je ne peux pas. Je me suis rendu compte du problème à 8h du matin. J'avais un rendez-vous à 8h20. J'ai dû réveiller une de mes voisines. Elle a eu la gentillesse de me passer sa voiture pour que je puisse faire ce que j'avais à faire là. Et après, elle m'a aussi proposé de me ramener à la gare. Parce que mon train part à 11h15. 14 et là il est 10h22, je vais descendre dans 8 minutes là et ensuite elle pourra me déposer, sachant que où on habite jusqu'à la gare on en a pour 10 minutes à peu près, je vois large, on sait jamais, on sait pas ce qui peut arriver sur la route. Depuis ce matin j'ai que des galères. Vous savez, le problème de voiture là. En août, quand j'étais en congé slash fin de contrat, je suis partie au garage. J'ai dit ouais, j'aimerais faire un devis et tout pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à réparer. En fait, en soi, je savais déjà qu'est-ce qu'il y avait à réparer. Sauf que il m'a dit ouais, le garagiste n'est pas là, il faut revenir à la fin du mois. Moi, j'ai dit ok, de toute façon, j'étais en congé post fin de contrat. Donc, je me suis dit bon, je reviendrai. Je suis jamais retournée. Nous sommes au mois d'octobre. Je peux même pas me plaindre, je peux même pas pleurer. Tout ça là, c'est que de ma faute. Bravo. Écoutez, c'est Damé, ils ont trouvé Fisker. Agent Zuma, écoute. Bon, salut les gars, là je suis bien arrivée sur Paris, il est 20h55, je vous ai un peu oublié aujourd'hui. En fait, je suis sur Paris pour une soirée guyanaise et j'y vais avec ma copine qui est guadeloupéenne. On se connaît depuis très très longtemps, on se voit pas souvent, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 4 ans. Après 4 ans, à se texter, à s'appeler, à faire ci, à faire ça, ben on se retrouve enfin. Et franchement, je peux vous dire que, je sais pas, ça fait bizarre. Enfin, ça prouve qu'on a grandi surtout. Bref, je voulais vous raconter un truc en fait. J'ai rencontré une gentille petite dame. D'ailleurs, il faut que je lui envoie un message pour savoir si elle est bien rentrée. J'ai rencontré une gentille dame à Brest, une Ivoirienne. Je l'ai vue en train de galérer avec ses valises. Moi, je me suis arrêtée. J'ai dit bonjour madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et elle m'a dit oui, merci, c'est gentil. Et je lui demande dans quelle voiture elle se trouve pour que je l'accompagne jusqu'à sa voiture. Et puis moi, je fais ma route quoi. Et il s'avère qu'en fait, la dame, elle était ma voisine de train. Donc du coup, je l'aide jusqu'à ce qu'on monte dans notre voiture, on parle et tout ça. Quand je vous dis que le feeling est passé mais fluidement. Et elle me dit oui, franchement, ce matin, j'ai prié le Seigneur pour que le voyage se passe trop bien. Et au final, j'ai fait une belle rencontre et tout, je suis tombée sur vous et tout. Et puis à un moment donné, on parle un peu de sa fille, du fait qu'elle âge est là, quelle étude qu'elle veut faire. Et je lui dis, mais ta fille elle est en quelle classe? Elle est en troisième. Et puis elle me dit, et toi tu fais quoi comme étude? Et j'allais répondre et puis j'ai dit, attends, tu penses que j'ai quel âge en fait? Après elle me dit, ben, je sais pas, peut-être 19, 20 ans. What do you say? Et puis je lui ai dit, t'es sérieuse là? Et puis elle me dit, oui, oui. Pourquoi t'en fais plus? En fait, j'ai 30 ans. Et elle me dit, non, tu as vraiment 30 ans? J'ai dit, oui. Et puis elle me dit, je sais que tu me mens et tout. J'ai dit, non, je t'assure, j'ai vraiment 30 ans. Après, elle me fait, eh ben, franchement, c'est ta beauté qui te rend aussi jeune et tout. Oh, la dame est en train de me saucer. Quand je vous dis me saucer, ah, j'ai pris sa sauce. Clairement, je savais même plus où me mettre. Et au final, elle a fait tout le chemin ensemble jusqu'à Paris. C'était vraiment un très bon moment. Bref, là, il est 21h06. Il faudrait que j'aille me préparer. Ah, d'ailleurs, juste petit aparté. Est-ce que vous avez déjà regardé la série coréenne La Traque dans le sang? Cette série est tellement, tellement, tellement bien. J'ai adoré, plus que adoré. En tout cas, pour tous ceux qui ont regardé la série, dites-moi en commentaire ce dont vous avez pensé. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas venue dans la salle de bain plus tôt. Comme je vous ai dit, il faut que moi je me prépare avant que ma pote revienne avec sa cousine. On se dit à tout à l'heure, lorsque je serai déjà make-upée, habillée, fraîchisée, beautéisée. Et puis c'est let's go. Let's go pour la soirée, quoi. Il est 17h35, autant vous dire que ma journée là, elle est plus que foutue, j'ai rien gratté, rien du tout. J'ai soif les gars.
C'est ça, l'alcool c'est pas de l'eau, moi je dis. Franchement, cette histoire de sortir encore en soirée, tout ça, ah, c'est plus pour moi. Je suis fatiguée de ces conneries, clairement. Je me suis bien amusée. Franchement, la soirée elle était top. Elle était bien. J'ai vu pas mal de personnes que je connaissais d'enfance qui vivent en Guyane, qui sont venues exprès pour la soirée. Et ils en profitent pour passer une ou deux semaines en plus que juste un week-end, quoi. Pas mal de personnes pensaient que j'étais encore en Afrique parce que, on va dire, j'ai un peu disparu des réseaux sociaux. Et nous sommes dans une ère où si tu ne partages pas un peu ta vie en stories sur tous les réseaux sociaux qui existent, Instagram, Snap, WhatsApp, ah ben, les gens s'interrogent. Généralement, ils se disent que oui, pour quelqu'un qui publiait beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis paf, d'un coup, on ne voit plus rien, c'est qu'elle était enceinte et qu'elle a un enfant, machin, machin, machin. Beaucoup pensaient que j'étais marrée, ça veut dire qu'en fait j'étais emprisonnée dans mon couple et tout ça, alors que pas du tout, voilà. En gros, ils étaient assez étonnés de me voir en France, en fait, tout simplement, parce qu'ils ont pris cette habitude où je bouge énormément, donc ils pensaient que j'étais encore en Afrique ou je ne sais où dans le monde. Et je leur ai dit que non, en fait, je suis en France depuis 2 ans. Bref, là, il y a ma pote qui est en train de réparer son armoire et ranger un peu les vêtements. J'ai fait la vaisselle pour l'aider un petit peu et j'ai rangé la porte aussi, parce qu'après, elle va aller récupérer ses enfants qui sont chez leur grand-mère. Je vais voir mes petits monstres. La dernière fois que je les ai vus, ils avaient 6 mois, je crois. Là, ils ont 4 ans. Je suis pas une très bonne tata, je le sais. Pour la plupart de mes petits monstres là, qui sont un peu éparpillés dans la France, je ne suis pas une bonne tata. Géographiquement parlant, et puis le temps, la vie et tout ça, font que bah, la tata, elle est occupée. Voilà. Attends, Nicole, t'as faim? Tu fais une vidéo? Ah pardon. Je te cache. Je vais manger parce que sinon... On sait rien. T'avais prévu de faire quoi? Mais en fait, j'ai prévu soit d'acheter à manger, soit de faire des pâtes avec du steak. C'est juste steak. Pourquoi pas pâtes et steak? Faut que je le fasse. Comme si tu veux le faire, en fait, ça me dérange pas. Donc là, je continue à faire mon steak. Et toi, tu manges pas? Si, j'en mange. Tu vas manger quoi? Les pâtes et steak aussi avec moi? Oui. Ok. Et les enfants? Tu veux faire un coucou au vlog? Hein? Tu veux montrer ta tête? Non. Et pourquoi tu veux pas montrer ta tête? Après? Quand tu te seras arrangé? Non, mais je suis pas habillée. Je t'ai dit ta tête, oui. Non. Bon, bah du coup, j'ai cuisiné. L'enfant a déposé les trucs là. Elle m'a pas donné les casseroles ni rien. Je sais même pas où elle range ses casseroles. Laurie! Attendez, je reviens. Sert ces trucs là. Moi j'utilise pas les poils Tefal là où il faut mettre la poignée. Du coup, je sais pas comment on utilise ça. Attends, mais. Ah. Il faut que je fasse ça. Mais ça fait pas. Ça fait. Vous voyez, la personne m'en voit faire le repas de ce soir. Elle me dit même pas où se trouvent les trucs. Elle m'a juste posé les pâtes, le steak et la sauce. Et puis elle m'a dit débrouille-toi. C'est abusé. Comment j'ai fait pour trouver les choses, moi? J'aime pas où se trouvent les épices, où se trouve l'oignon. Elle me dit bah, que madame n'a pas d'épices. Ah, c'est là. Bon, ben les gars, nous sommes parés pour cuisiner. Hein. J'ai tout maintenant. C'est bon, j'ai tout trouvé. Je vais essayer de trouver comment cette plaque fonctionne. Parce que moi, j'ai pas des trucs à induction. Ça commence à chauffer. J'ai réussi. Je vais mettre les oignons rouges surgelés dans la poêle. Sans matière grasse pour l'instant. Parce que comme bah, c'est de l'eau, j'ai pas envie d'avoir le contact eau, l'huile et ça éclabousse partout. J'aurais dû allumer la lumière depuis. Désolé les gens. Voici le plat.
c'est prêt. J'ai mis du fromage râpé pour plus de gourmandise, mais bon, vous êtes pas obligés, quoi. J'ai goûté un petit peu hors caméra et c'est très bon. Bon, allez, je passe à table parce que j'ai tellement faim. Oh no, oh no, yeah. Yo, Ricky. Maybe it's the shots of Casamigos in my cup. La belle, elle, là aujourd'hui elle veut se montrer. Ma première fois à Valley Village. Valley Village, c'est chic hein. Oh no no, oh yeah yeah. Baby it's so difficult to ease up when you come. Ouh là là, beauté. Et Chavine, tu nous donnes ton 06. Tes copines elles sont belles hein. J'ai mon macaron pistache. J'ai acheté mes petits macarons à la durée. Et ces gens-là me critiquent parce que j'ai payé 10,50€ pour 3 biscuits. Vous êtes des jaloux, c'est tout. Moi, je suis contente. Trop bon mon macaron pistache. Je vous jure, je suis où les gens avec mon macaron. Mais ça veut dire alors que le macaron, il y a un truc spécial, c'est que merci. Dans la bouche. Merci. C'est le truc au milieu. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle la confiture. C'est pas dégueulasse, mais voilà. Moi, je fais pas 10 euros. Donc, vous approuvez mes macarons? Oui. Voilà. Mes carottes sont une boîte. Oui, avec 8 dedans. J'ai gâteau, salade, pâte, j'ai jus. T'as toutes tes courses, quoi. J'ai dessert. Oui. Et j'ai même pour demain. Ouais. Après, c'est pas dégueulasse. Ah, je peux pas dire que c'est dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Merci. C'est bon. Voilà, apprécié, c'est tout. Ma soeur, je savais pas que t'étais fan. Salut les gars, hier je vous ai pas filmé ma tronche, mais vous avez vu à peu près ma journée. Aujourd'hui, je devais voir quelqu'un entre midi et deux, mais je me suis réveillée à midi, donc ça servait à rien. Donc on va peut-être se voir ce soir. Là, avec Laurie, nous sommes sur le point de sortir pour qu'elle puisse visiter un appartement. Il est déjà 15h12. Je suis prête, je me suis habillée très simplement. C'est bon, Manzel, nous prêts? Ouais, je vais... T'es prête? T'es prête? Oui. J'ai une tête de fatiguée, ne faites vraiment pas attention à ça. On est bien arrivé au lieu où elle doit visiter l'appartement. Elle regarde un peu aux alentours pour savoir le voisinage, l'école et tous ces trucs-là. Moi, je l'attends dans la voiture. J'ai fait une dinguerie, les gars. Vous n'êtes pas prêts de ce que je vais vous dire. Mais je vais vous raconter ça un peu plus tard. Les choses ont été décidées à la dernière minute. Une chose dont vous devez retenir, c'est que votre copine, là, elle est en train de vivre en mode one life. Clairement dans le déni de tous les problèmes qu'elle a à s'occuper, tels que la réparation de sa voiture. Depuis que je suis sur Paris, les choses s'enchaînent, je vois pas mal de personnes. En fait, je m'attendais pas à rencontrer des amis qui vivent en Guyane. Depuis ce week-end, je profite de passer un peu de temps avec eux. J'ai l'impression de vivre comme si j'avais 20 ans. C'est trop bizarre. En même temps, c'est excitant parce que je me sens beaucoup mieux depuis quelques jours. En fait, depuis que j'ai arrêté le taf. Clairement, on va parler français ici. Je me sens apaisée, je me sens frivole, je me sens genre insouciante et tout. Bon, je garde quand même un peu de responsabilité dans ma tête, mais je suis vraiment en mode très insouciante. Et c'est grave cool. Alors? Eh, c'est lourd! Et c'est bien cet appart-là parce que c'est le seul qui est bien fermé. Et regarde, ouais. Meuf, nickel, hein. Ouais, je crois même que t'as le petit machin en plus. Ou peut-être c'est d'être au voisin. C'est mais en tout cas, t'as jusque-là, hein. Par contre, attends, donc, hein. Je vais bien me poser pour réfléchir à quoi faire. Là, ça sera le début d'une nouvelle vie, ça me fait peur en même temps. Hein. C'est cool le changement. Ouais, c'est vrai. C'est excitant le changement. Je crois qu'on est si c'est excitant. Si c'est excitant. Mais ça me fait peur. C'est rempli d'adrénaline. Ouais. Bon, attends, je vais. Back. When you go. Ow. J'ai envie de pisser. Tu vois? Oui. C'est vrai. Tu penses que j'ai dit ça pour dire ça? J'ai vraiment envie de pisser. Ah, il y a une autre noire. Tiens, il y a une autre encore. Finalement, c'est une ville qui a des noirs. Ils sont très blancs, un petit peu. Tu vois? Mmh. Leur style. Grave. Mais la même la fille. Ouais. Il y a un niveau de français. Ah non. Pas ghetto, ghetto. Ça, c'est quelqu'un qui a de la tête. Hein. Mmh. Moi, je pense que je vais commencer à travailler mon comment on appelle ça? L'élocution. Oui, mon élocution. Tu sens encore que je parle trop en mode comme si je vais pas dire de la cité, mais je sais pas comment te dire. Ça, c'est le truc de la gare.
Ici, c'est à moi que tu as fait des bruits d'argent là. T'es de la merde. Hein? Moi, j'ai entendu les bruits d'argent de la titine. J'ai juste augmenté le volume de tous les mix que j'écoutais dans la voiture. Bagaille, là, pas qu'à fonctionner encore. J'ai une pote à moi, on s'est dit. J'ai dit, quand je vois écrit voyant, tu mets du feutre noir comme ça. Tu... Moi, j'ai entendu les bruits, j'ai fait. Oui, donc du coup, je veux améliorer mon éloquence. Parce que je parle trop en mode, je vais pas dire je parle en mode wesh wesh machin. Je sais pas si vous comprenez. Lorsque je m'adresse par exemple à vous sur les vidéos là, ou lorsque je suis en bureau ou que j'occupe un poste, je fais du standard, des trucs comme ça. Je trouve que parfois lorsque lorsque je travaillais là et que je répondais au téléphone, parfois je parlais à la personne comme si je parlais à un poteau. Et puis mon accent ressortait parce que quand on commence à me taper sur le système, mon accent commence à ressortir et puis je parlais comme si je parlais en version guyanais. Donc j'ai vraiment besoin de travailler mon élocution. Vous voyez déjà ça là. Français ça là, litre pour moi. Regardez comment je brille. J'ai plein de boutons là en ce moment. Boutons de règles. Bref, je m'égare. Donc, j'ai besoin d'améliorer mon français, tout ça. Je sais qu'il y a des cours, hein. Il y a des cours d'élocution et tout ça. Mais lire beaucoup de livres, ça aide énormément parce que ça développe le vocabulaire. Et ça, c'est quelque chose que je néglige beaucoup trop. Donc, je vais remédier à tout ça. J'ai ramené mon ordinateur pour pouvoir faire du montage, avancer sur une vidéo et tout ça. J'ai rien foutu. Je vous dis, là, je suis en train de vivre en mode one life, zéro responsabilité. La fille, elle est riche comme Crésus, alors que la fille fait des plans à la dernière minute, machin. Laissez tomber. Et même mon projet de tatouage, là. Faut que je contacte mon tatoueur, d'ailleurs, pour savoir s'il est dispo. Je voulais faire un tatouage comme ça. Mais j'hésite un petit peu encore. Et j'ai envie de rajouter un autre piercing, là. Là ou là, enfin, faire plusieurs piercings étant donné que j'en ai déjà un là. J'ai envie de rajouter plus de piercings ici et laisser cette oreille un peu comme ça quoi. En tout cas la ville elle est cool hein. Franchement là ouais. Je vais pas dire non. En tout cas tu pourras pas foutre bordel parce que le quartier a l'air très calme Laurie. C'est mon dos. Et moi je te dis à partir du moment où je paie mon loyer. Moi je te dis Laurie, quartier à calme. Et donc quartier à calme s'il vous plaît. Laissez quartier tel qu'il est. Moi j'ai pas l'air des gens. Je paie mon loyer. J'en ai rien à t'imagines, les gens sont pépères dans leur petit truc, ils écoutent leur musique pépère machin. Du gospel et du et puis tu entends un big boum 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 boum. Vous entendez Hakul Bam. She's a bad man show. Comme s'il y a des heures. 6h, 22h. 6h, 22h. Tu peux faire tes affaires. Mais après 22h, c'est niet. Non, mais le problème, même chez moi, je n'ai pas de musique après 22h. Mais c'est parce que t'as pas les baffes. Bah, si t'as les baffes. Ah, bah, c'est bon. Point 28. Pour survivre, des petites dix. Pas besoin de courir. Hey. Des tontines qu'ils ont là, oui. Moi je suis une tontine, j'ai 29 ans, d'accord. Ok. Dans 2 mois t'as ragué la vie. Voilà, dans 2 mois t'as ragué la vie. Dans 2 mois je serai une tati. Attends, je pense que j'aurai le temps. Je vais voir pour passer les fonds. Je suis en train de regarder. Vous savez qu'entre nous deux là, c'est elle la plus. La plus désode. Moi je suis gentil. Vous savez déjà, vous-même vous savez, je suis quelqu'un de calme. Je suis une mamie qui est chez elle, qui ne sort pas, qui ne va pas en boîte. Je sors pas, wesh. Ah bon? Non, qui m'emmène samedi en soirée? J'avais dit non. Qui m'a convaincu? J'avais envie de dire ça. Oui, mais bon, c'est Movado. Ok. Après, son pote vient et dit ouais, ben elle a pas l'air convaincue. De quoi? Appuyer encore, tu vois? Non, ce sera bien. T'inquiète pas, on va bien s'amuser. Allez, on va aller voir le gars. Et puis, on rentre chez nous. Bon, les gars, après. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Je pense que ça se voit. Mais avant d'aller me coucher, je vais faire un peu de montage parce que franchement, il faut que je sorte ma vidéo, que j'essaye de garder un rythme de une vidéo par semaine. Attendez, j'ai l'impression que vous êtes sale.
Donc, je n'arrive pas à trouver une organisation assez solide pour les publications de YouTube et tout. Je vous cache pas que ça m'embête un peu. De ne pas avoir quelque chose de solide pour pouvoir publier deux fois plus, être constante et tout. Comme vous pouvez le voir, et je pense que vous l'avez compris aussi, depuis que j'ai arrêté de travailler, ma vie est en mode à 100 à l'heure. En tout cas, pour tout le mois de novembre, je vais faire en sorte de rester à la maison. Bref, ma peau, elle brille de ouf, de tous les côtés là, comme ça là. Et puis, j'ai les boutons. Tant qu'il ressort. Ouf, laissez tomber, je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie. Bref, à demain. Là, nous sommes mercredi. Il est 11h20. Je suis toute seule à la maison. Laurie est partie travailler aujourd'hui. Désolée d'apparaître avec une tête un peu beaucoup même fatiguée. Depuis que je suis hors de chez moi, tout ce qui est routine matinale, de nuit, la bouffe, les activités, tout ça, tout est chamboulé. Ce matin, j'ai pris mon temps dans la salle de bain, même pour me réveiller tout simplement. J'ai mis une playlist coréenne sur YouTube. Je vous conseille vraiment d'écouter un peu de K-R&B. Franchement, vous serez vraiment pas déçus. Et pour tous ceux qui écoutent déjà de la K-R&B, quel est ou quels sont vos artistes préférés? Moi, j'ai une petite préférence pour Jimmy. Je vais mettre son nom là. Ensuite, pour Crush et Eric Nam. Alors là, lui, je l'adore. Il y a Kechi aussi. Enfin bref. Hier soir, j'ai même pas pu faire mon montage de vidéo parce que l'ordinateur a décidé de faire une mise à jour. Ce matin, ce n'est pas mieux. Franchement, cet ordinateur-là m'énerve. Des mises à jour tous les 4 matins, là. Aujourd'hui, je n'ai pas trop prévu de sortir parce que ma batterie sociale là elle commence à être à plat. Lorsque l'ordinateur va commencer à coopérer, je pourrais finir une vidéo là que je devais publier depuis une semaine. Je vais récupérer mes petits monstres au centre aéré, que je les récupère à 6h je crois. J'avais envie de revoir une amie, Anatolie, mais la voir là à la dernière minute, ça va être un peu short, sachant qu'elle travaille. Mais je ne sais pas où elle travaille exactement. Et puis le temps d'y aller, de revenir, être sûr d'être là à temps pour récupérer les petits et tout ça. C'est trop de courir dans la ville. Je la reverrai une autre fois. Peut-être après le taf ou je passerai chez elle. Voilà. Je préfère faire un truc posément. En attendant que l'ordinateur se décide de coopérer, je vais rattraper les vidéos de YouTube, des créatrices de contenu que je suis là sur YouTube, histoire de m'inspirer un petit peu, chercher des idées, des trucs comme ça. J'ai envie de changer d'ordinateur. Ça fait un moment que j'ai envie de changer d'ordinateur. Je pense que ça doit faire un an à peu près. La luminosité à Paris est compliquée. Il fait moche, il fait froid. Seigneur, le froid débarque et d'un coup, heureusement que je rentre chez moi au chaud dans ma petite Bretagne. Il va être midi dans 10 minutes à peu près. Je vais faire à manger. Hier soir, j'ai commandé du poulet braisé avec du riz thaï au poulet. J'ai commandé ça sur Uber Eats. C'est assez bon, sauf que le poulet, je trouve qu'il n'était pas assez cuit à mon goût. Comme j'avais acheté deux cuisses, là, je vais faire frire la deuxième et je vais manger avec des. What? Comme je n'ai pas prévu de sortir, ça sert à rien que je mange dehors. Parce que j'ai tellement dépensé d'argent, les amis. Là, quand je vais faire mes comptes, je vais pleurer. Pour l'instant, je suis dans le déni. Tant que la carte fait tiling, 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 ah ben, je vais rester dans le déni. Je fais à manger et ensuite, je vous reprends au moment où tout sera fini. Voici mon plat. J'ai fait des pâtes. Je pensais que je n'en avais pas fait assez, mais finalement, c'est parfait. J'ai mis un peu de mayonnaise, de la du piment. En fait, c'est une sauce pimentée. J'ai frit mon poulet que j'avais hier soir. J'ai mangé tout ça et espéré que l'ordinateur s'allume de nouveau parce que là, je suis fatiguée. Ça fait 2 heures que j'attends. Je suis fatiguée. Bon, les gars, l'ordinateur a décidé de coopérer. Du coup, je vais faire un peu de montage. Il est 13h30. Je vais bosser au moins jusqu'à 16h et ensuite aller récupérer les petits. De toute façon, le truc, il est juste à côté de son appart. J'ai regardé un peu les dernières vidéos YouTube des personnes que je suis là en France et... C'est pas que c'est redondant et tout, mais je trouve qu'il manque... Tout le monde fait des concepts. Des fois, je me dis, mais il n'y a rien sur le YouTube français, quoi. Et du coup, je reste sur le YouTube coréen et américain parce que eux, je sais pas, je trouve qu'ils ont une autre vision de ce qu'ils peuvent proposer sur YouTube que nous, français. Du coup, des fois, je reste sur le YouTube américain et coréen pour trouver des idées de vidéos ou juste pour regarder autre chose sur YouTube que ce que je regarde déjà sur le YouTube français. Enfin, bref... Je discute, mais en fait il s'agirait d'aller bosser quoi. J'ai commencé à bosser avec une compote et une tasse de thé. D'ailleurs, il faut que je fasse mon thé. Et puis voilà. En attendant,
En attendant. Bref, on y va. En fait, j'étais en train de penser au prochain jour. Parce que là, il faut vraiment que je m'organise de ouf. Enfin, j'ai trop de trucs à faire. Je suis tellement dans ma mouvance One Life. En fait, je sais que c'est pas moi. J'aime bien des fois avoir ce genre de phase. Mais je suis quelqu'un de très organisé, qui planifie pas mal de choses à court et souvent à long terme. À très très long terme même. Et être dans cette phase où je ne planifie rien. Je sais pas ce que je fais. Je me lève le matin. Je sais même pas ce que je vais faire, je sais même pas où je vais ni rien, ça me stresse. De toute façon, demain je serai à la maison, j'aurai le temps de me poser et de reprendre un peu mes habitudes. Et puis voilà. Bref, let's go. Je suis bien rentrée à la maison, je brille de mille feux parce que j'ai mis du beurre de karité. Là il va bientôt être midi, j'ai faim. Je vais me faire un bon petit plat là. Je blablate. J'ai des choses à faire moi. J'espère que la vidéo vous a bien plu, que vous avez bien ri, que vous avez passé un bon moment. Pour tous ceux qui ont une très bonne élocution, dites-moi comment vous avez amélioré votre manière de parler, votre manière de vous présenter au monde. Donnez-moi vos petits tips en commentaire. Et dites-moi aussi, lorsque vous voyager, que ce soit Paris ou une autre ville de France ou même du monde, quelles sont vos activités principales? Parce que moi, c'est découvrir énormément de restaurants. Moi, j'adore manger, je suis une fan de cuisine, sauf que je me suis fait un peu critiquer par mes potes en disant que je ne pense qu'à ça. Ils ne comprennent pas pourquoi je dépense des 1000 et des 100 pour quelque chose qui va finir aux toilettes. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont comme moi, qui dès qu'ils partent, l'activité principale, ou du moins l'une des activités principales, c'est de découvrir énormément de restaurants, de food trucks, de bars, tout ce qui a trait à la bouffe là. Est-ce que c'est l'une de vos activités principales, ou est-ce que vous êtes plus en mode musée? Est-ce que vous êtes juste là en mode shopping de ces shopping? Enfin, vous faites quoi en vrai? Dites-moi. Parce que comme je vous ai dit, c'était quand même un très 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 grand sujet avec mes potes lorsque nous sommes partis à Valley Village. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai dépensé 10,50€ pour 3 macarons et j'étais aux anges. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas toute seule, d'accord? Sur ce, je vais vraiment vous laisser. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à faire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Pesos les amis. En réalité, ce n'est pas la fin. Je vous laisse vous abonner à la chaîne pour comprendre pourquoi je vous dis que ce n'est pas la fin. Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared of falling. Don't wanna go.